Good morning, Aleiden Netus Roy, aujourd'hui le Lunishmat, Rosette, Bat Sultana, Amramina Ben Khana, Peggy Bat Esther, Nissim Ben Aouda, ainsi que l'Irfoua Tefrat Mayan Bat Léa, et Bracha, Sarah, Bat Khana Rachel, Betor, Shar, Fole Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sekhet Abonazara, Perek Dalet Mishnah Vav. Abonazara, Shehinichua, Ovdea, Bishat Shalom, Muteret, Bishat Milchama, Asura. Bimosiot shel melachim are elu mutarot mipnei shema'amidim otam b'sha'a shamelachim ovim. On continue sur le sujet du goy qui annule la avoda zara. Pour rappel, dans la Mishnah Devet, on apprenait que bien que l'avoda soit l'avoda zara, l'idole, qu'on n'ait pas le droit d'en tirer aucun profit d'elle, il est cependant possible qu'un goy cesse de donner de l'importance, de la diviniser, d'en faire une divinité. Et dans ce cas-là, il va la rendre permise à en tirer profit, puisque, d'accord, il y avait marqué « Upsile Elohehem Tisefun Beish » tant qu'il les considère comme une Elohut, comme un dieu. Mais à partir du moment où ça cesse d'être un dieu à leurs yeux, alors c'est fini, ça n'a plus d'importance, on peut l'utiliser. On avait appris dans la Mishnah précédente plusieurs situations à partir de quand on considère qu'il l'annule, s'il devait lui casser un petit bout du nez, un petit bout de l'oreille, un doigt. On avait appris en fin de la Mishnah même que c'est pas la peine forcément de porter atteinte à la Avodah Zarah, il suffit même de la vendre. S'il est capable de la vendre à un juif qui est lui-même orfèvre, c'est sûr qu'il avait l'intention que le juif ne va plus la servir, donc par là il annule. Et là on continue notre Mishnah avec à présent celui qui va abandonner la Avodah Zarah. Avodah Zarah shehinichua ovdea, une statue que ceux qui la servent, les avadim shela, les ovdimota, hinichua, ils l'ont laissé, ils l'ont délaissé, ils l'ont abandonné. Bishat shalom muteret, si on est en période de paix, elle sera permise. Par contre, si on est en période de guerre, elle restera interdite. De quoi on parle? C'est très simple. Imaginez que, je ne sais pas moi, il y a un hindou qui a loué une maison de vacances. Et puis, il est venu, il est au camping. Il a, au moment de ramasser toutes ses affaires, mais sa statue, il l'a laissée, il est parti. Pourquoi il la laisse? Alors, s'il n'avait aucune raison de partir pour rien, il n'avait aucune raison de la laisser, et il l'a malgré tout laissé, pas de manière à ce qu'elle lui tombe du sac, ouais, c'est bien clair qu'il l'a vue, elle était posée, il n'y avait aucune raison qu'il... Il est parti, il l'a laissée. Alors, dans ce cas-là, puisqu'on a Bishat Shalom, il n'y avait rien qui l'a poussé à fuir, à partir vite, et qui a pu lui causer de l'oublier, on est en période de paix, alors elle devient Mouteret. Sa statue devient permise en tirer profit, on pourra la prendre, la récupérer, si elle est en cuivre, on pourra, ou en or, ou en argent, on pourra la récupérer et la faire fondre. Par contre, si on est Bishat Milchama, on est en période de guerre, on sait qu'il a dû partir de manière très rapide, parce qu'il a eu peur qu'il va y avoir un missile qui va lui tomber sur la maison ou quoi que ce soit, alors elle restera interdite. Parce que le principe, il est simple, s'il nous montre qu'il ne lui attache plus aucune importance, de manière claire, alors on pourra en tirer profit. Donc, pourquoi il l'a laissé? Il savait très bien qu'elle était là, et là, malgré tout, il l'a vue, il est parti. Donc là, il nous prouve qu'il ne lui donne plus d'importance, donc il l'a annulé. Regardez que cette fois-ci, c'est même plus la peine de faire aucune action. Le simple fait de l'annuler, de manquer, ne plus manifester d'importance à elle, en la délaissant, même sans lui porter atteinte, mais de manière à ce qu'il va quitter l'endroit, il ne va plus revenir ici pour la chercher. Donc s'il la laisse, il ne va plus revenir la chercher. Alors là, c'est un bon bitoul, on pourra l'utiliser. D'accord? Tandis qu'en période de guerre, donc il a pris la fuite, il l'a laissé, parce qu'il a été obligé de prendre la fuite très rapidement. Mais ça ne veut pas dire qu'il a l'intention de l'abandonner, de ne plus au contraire, même quand il va être loin, il va regretter d'être loin de son Dieu. Donc dans ce cas-là, elle restera à Soura. Ensuite, la Seifa, on parle comme ça. Bimosiot, Shel Melachim. On a déjà évoqué la notion des Bimosiot. On parle d'estrade, littéralement, une estrade des rois. Mais en réalité, on parle d'estrade de Avodah Zarah, qu'on met en l'honneur des rois. On va expliquer de quoi on parle. Pour le moment, j'avance. Arelu Mutarot, elles sont permises d'en tirer profit. Soit, si le bout de marbre, le socle de la Avodah Zarah, c'est ça une estrade. On avait déjà évoqué le sujet justement. C'est une estrade sur laquelle les goïms mettent leur Avodah Zarah, qu'on apprenait qu'elle prend un statut elle-même d'interdit de Avodah Zarah elle-même, de manière générale. Mais là, si on l'a fait en l'honneur du roi, comme ce qu'on va expliquer tout de suite, la Mishnah nous enseigne qu'elle l'est permise. Pour quelle raison? Car, littéralement, on l'installe au moment... au moment où le roi passe. Il y a deux manières d'expliquer ça. Une manière fausse, entre guillemets, puisque
c'est la manière rapportée à moitié par Bartenora. Bartenora, très rapidement, je vous explique ce qui se passe. La Mishnah semble dire une chose, Rashi explique la Mishnah selon ce qu'elle semble dire, mais ensuite, quand on évolue dans la Gemara, pour ceux qui ont l'habitude de dire la Gemara, vous savez bien qu'on part d'un premier point de vue, puis après on évolue et on change de position, et puis finalement on dit que ce qui est écrit, il fallait l'interpréter différemment. C'est comme ça que ça se passe, donc finalement le vrai pshat qu'il faut retenir, c'est le dernier, et pas le premier. Ce qui s'est passé, c'est que là, le Bartenora, il nous a fait apparemment une petite salade. Peut-être qu'il avait une raison pourquoi il l'a faite et qu'il pense qu'il y a une autre explication. Donc en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais vous expliquer la Mishnah comme Rashi semble l'expliquer au début. Ça va être la première partie, la première phrase de Bartenora, en fait. Et après, je vais vous expliquer le deuxième pshat, qu'en fait, que la Gemara conclut que c'est plutôt ce qu'il faut dire. Et ça va être la deuxième phrase du Bartenora. Donc je ne serai pas capable de vous expliquer comment lire le Bartenora qui met les deux phrases en même temps, comme si ça s'expliquait. Vous allez tout comprendre tout de suite. Bimosiyot shel Melachim, au sens simple, on parle que le roi doit passer par une grande avenue, de temps en temps si elle arrive, lorsqu'il arrive dans notre contrée, il passe par cette grande avenue. Là-bas, on a construit un socle sur lequel, au moment de son passage, on va mettre là-bas la Vodazara, et lui, le roi, lorsqu'il va passer, il va la voir, il va arrêter toute sa délégation, il va sortir de sa calèche, il va se prosterner à elle. C'est comme ça que c'était leur usage. Et donc c'est ça les bimosiyot shel melachim, les estrades, les socles qu'on met pour la Avodah Zarah, en l'honneur du roi qui passe, pour qu'il se prosterne. La Mishnah nous enseigne que sache que ce socle-là, spécialement, il est permis d'en tirer profit. Soit, si finalement, ils vont vendre les biens de l'État, ou peu importe, je sais pas, ils vont se mettre à vendre toute une grosse plaque de marbre, et vous voulez en faire une super table pour chez vous. Eh bien, hein, la Mishnah nous enseigne que ben, tu auras le droit de l'acheter, mutarot, elles sont permises. Pour quelle raison ? Car, alors je vous donne la première fausse lecture qui correspond à la première phrase du Bartenora. Car, ma'amidim otam, on les installe au moment, Beshach, juste pour le moment, momentanément, provisoirement, pour le moment où le roi passe. Soit, au sens simple, la Mishnah semble nous dire que si un goy a occasionnellement, provisoirement, c'est utilisé un socle donc bon, de Avodah Zarah, un bimos, alors, puisque c'était provisoire, il n'a pas eu l'intention d'en faire un vrai teshmiché à Avodah Zarah, donc ce n'est pas réellement devenu ça n'a pas été un interdit, franchement. Comme ça, le Rashi explique au début. On va tout de suite le lire, cette première partie-là dans le Bartenora, ça va vous aider. Bimosiyot shel melachim, donc avne gazit, c'est des pierres taillées, amitukanot baderech, qui sont bederech mahalach amelech, qui sont installées là où le roi passe. Et lorsque le roi passe, Moshivim Sham Avodah Zarah, on met là-bas, on installe là-bas une Avodah Zarah, puisqu'on sait que le roi il va passer, Vehu Mishtachavela, et lui il va se prosterner devant elle. Pour le moment tout va bien. Et quelle est la raison maintenant? Au Bagmara Mefarash, dans la Gemara on explique, Mipene Shemanichinota, que c'est lié à la première partie de la Mishnah, bon, je ne vais pas trop m'engager, Mipene Shemanichinota, parce qu'on installe là-bas, Klomar, Enan Meyuchadot Leoshiv Sham Avodah Zarah Kol Shah. Et là, Beshach, Amelachim, Orim. Du fait qu'elles ne sont pas spécifiquement destinées à installer une Avodah Zarah de manière fixe, mais et là, Beshach, Amelachim, Orim, juste au moment où les Malachim passent. Bon, voilà ce qu'il y a écrit dans le Bartenora. En réalité, la Gemara rallonge pour expliquer que ce n'est pas ce qui se passe, parce que même le fait de désigner momentanément, même provisoirement, mais à partir du moment où tu vas le faire pour la Avodah Zarah, même pour une seule fois, c'est devenu un sourd, et tant qu'il ne l'a pas annulé, ça n'a pas été annulé. Donc là, le fait que provisoirement ça a été utilisé, puis après, le roi il a fini de passer, on a laissé le bimos, qui a dit qu'on a eu l'intention de l'annuler? On continue toujours à diviniser la Avodah Zarah, et le socle, on est toujours fier que ça a été l'objet saint ou impur qui a servi la Avodah Zarah. En quoi il y a ici une preuve qu'il l'a annulé? Il y a un problème. La Gemara pose la question. La Gemara répond qu'en réalité, il faut expliquer différemment la Mishnah. Il faut expliquer en fait, en réalité, comme ça. Ce qui se passe, ça a rapporté dans le Tosfot Yom Tov, par le Duran, dans le Tiferet Israël, vous le retrouvez aussi. Le principe, il est simple. Il y a donc, le roi, il est censé passer, demain, il va arriver dans la grande avenue. On a installé cette bimos. Et lorsqu'on l'a installé, on a mis la Avodah Zarah, et bien sûr, il y a tout un cérémonial à faire, d'abord pour sanctifier cette Avodah Zarah. Donc les moines, ils sont venus, ils ont fait tout leur rituel. Ensuite, donc c'est devenu de la Avodah Zarah, en théorie. Ce qui se passe, c'est que des fois, le roi,
ça lui prend de dire que j'ai pas envie de passer par là, je passe par là. Et alors là, c'est le gros scandale de l'État, où le roi il a décidé de ne pas passer par là. Ça signifie que cette Avodah Zara, elle n'a aucune importance. Et du coup, tout le monde regarde cette Avodah Zara avec du mépris, ils vont la retirer et elle va perdre toute sa valeur. Vous avez compris le principe ? En fait, c'est le roi, on la met momentanément, c'est pas un problème de momentanément, si on la met sur une rue, sur une avenue, où finalement le roi va décider de passer ailleurs, et qu'on va tout de suite interpréter que c'était consciemment, il a voulu mépriser cette Avodah Zara, cette statue, et de ce fait, du coup, tous les gens qui avaient installé cette Avodah Zara, ils réalisent qu'en réalité, elle est vaine, elle est vanité, et de ce fait, ils l'annulent par le simple fait de la reprendre, et c'est pour ça qu'on a le droit de l'utiliser. Et maintenant, on revient sur le Barthénora, et regardez que c'est la deuxième phrase du Barthénora. Où Péamim, et il arrive, Shamelachim Ovrim Bederech Acheret, que les rois passent par un autre chemin, Ve'en Chosheshim Lahem, et ils s'en moquent de considérer cette Avodah Zara. Et la suite que je vous dis, en fait, elle est rapportée dans le Tosot Yom Tov, comme ce qu'il explique. Ouais, on va pas le refaire dans les mots, ça va être trop lourd. Vous avez compris le principe qu'en réalité, il l'annule, parce que le roi, quand il décide de changer de chemin, il décide par là de prouver que donc qu'elle a plus d'importance, comme ce qu'on a expliqué. Et donc, du coup, même les moines l'annulent, tout le monde l'annule. Finalement, cette Avodah Zara lui donne plus d'importance. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.